Et bienvenue dans cette table ronde d'Inbound Marketing France 2021. Alors si je vous dis créateur économie, live shopping, pouvoir de la voix, réseaux sociaux professionnels, digital goods, tout ça c'était cité dans le livre de Marie Dolé publié début janvier sur son livre de tendance 2021. Depuis janvier, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Et donc, nous avons avec nous aujourd'hui trois experts, spécialistes des réseaux sociaux, de l'influence et de la sociologie, pour revenir sur ces tendances, les décrypter et échanger sur celles qui se sont déjà révélées, qui n'ont pas encore explosé, voire celles qui n'exploseront peut-être pas. Quelles sont leurs prévisions pour ce deuxième semestre et surtout pour 2022 Je vais déjà commencer par vous présenter nos experts. Je vais évidemment commencer par Céline. Donc, Céline, bonjour. Vous êtes activatrice de réseaux sociaux, social media manager. Vous accompagnez et formez des entreprises pour qu'elles communiquent de façon efficace. Et vous avez un attachement particulier au secteur du retail. vous gardez d'ailleurs un lien fort avec ce secteur, puisque vous êtes secrétaire générale de la Confédération des arts de la table. Autrement dit, vous êtes une catwoman. Vous êtes aussi à la tête des comptes de 10 Céline, qui regorge de conseils et tutoriels accessibles à tous. Et évidemment, tout le monde doit vous connaître puisque vous faites aussi partie de la brigade du web. Ce qui me permet d'ailleurs d'enchaîner sur un de vos compagnons brigadou, Camille. Bonjour Camille, Camille Jourdain. Vous aussi, vous accompagnez des marques et des startups dans leur communication sur les réseaux sociaux et en particulier avec les influenceurs. Vous êtes donc formateur, blogueur, auteur, brigadou, on l'a dit. Vous avez publié un livre sur Twitter en 2014 et un second sur l'influence marketing en 2019 aux éditions Kawa. Et enfin, nous avons aussi avec nous aujourd'hui Dominique Boulier. Bonjour Dominique. Dominique, vous êtes docteur en sociologie, HDR en Infocom, diplômé de linguistique. Et je ne vous résumerai pas la carrière de Dominique parce que ça nous prendrait. Beaucoup, beaucoup trop de temps, c'est passionnant tout ce, que vous, tout ce que vous avez fait. Et vous êtes aujourd'hui professeur des universités en sociologie à Sciences Po. Vous êtes également auteur, puisque vous avez publié en 2016 Sociologie du numérique aux éditions Armand Collin, que vous avez doublé d'une version en 47 vidéos très courtes sur votre chaîne YouTube, et on en parlera, je crois, tout à l'heure. Et votre dernier ouvrage... Comment sortir de l'emprise des réseaux sociaux a été publié aux éditions Le Passeur en 2020. Et c'est une alerte sur le rythme donné à tous nos échanges et sur le risque d'explosion pardon de la bulle de la publicité en ligne. Donc nous avons vraiment trois experts, j'espère que vous réalisez la chance de pouvoir échanger avec eux sur ce livre des tendances que Marie Dollet qu'on salue qui nous a évidemment autorisé à parler de son livre et qui, je sais, va nous regarder avec attention aujourd'hui. Euh, Marie listait 10 tendances majeures début janvier 2021 et nous sommes maintenant en juin 2021, donc le premier semestre est quasiment terminé. Donc ma première question, ça va être pour vous, Céline, quelles tendances sont déjà passées dans notre quotidien alors moi, la première à laquelle je pense, déjà bonjour tout le monde, et vraiment la, la tendance selon le livre de Marie, qui selon moi est déjà émergente, c'est le shopping retail. Clairement, beaucoup d'acteurs du retail, en particulier depuis la Covid, sont ont été forcés, on va dire, de, de passer déjà à l'action. Euh, c'était déjà, enfin, on en parle depuis un moment, euh, sur les réseaux, tous les ans, on parle de ce fameux euh, retail, euh, shopping retail sur les réseaux sociaux. et en fait, finalement, certaines entreprises qui, peut-être au départ, euh, se disaient, c'est un projet, je le mettrai en place l'année prochaine ou à un autre moment dans l'année, finalement, avec la covid, a été vraiment un accélérateur et les réseaux sociaux ont été vraiment un vecteur d'accélération sur, sur le shopping retail. Oui, je crois que vous avez d'ailleurs des exemples à nous citer de petits détaillants, en fait, qui ont réussi eux aussi à s'inventer sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Alors, c'est vrai que les réseaux sociaux ont mis en place beaucoup de fonctionnalités natives aux plateformes, mais sans savoir ces fonctionnalités, parce que certaines sont disponibles à l'étranger et ne sont pas encore disponibles forcément en France, et je tiens à préciser d'ailleurs que cette semaine sort les épingles shopping pour les Reels, par exemple, mais des petits acteurs, des petits indépendants, puisque c'est eux que je côtoie généralement avec la Confédération des arts de la table, finalement, à leur niveau, ont pu finalement se mettre sur les réseaux, ont pu finalement faire des lives, et je pense à, un, pour moi, un ovni que j'ai découvert sur Facebook qui s'appelle Robin, Robin Mode. Alors, c'est pas dans les arts de la table, mais euh, on faisait une recherche avec Alice, mon binôme que vous connaissez très bien. Euh, en fait, on faisait une recherche pour un de mes fabricants, et en regardant sur Facebook, on est tombé sur Robin Mode qui a lancé pendant la Covid. Des lives, il est dans une zone euh, d'activité euh, commerciale, en plein milieu de Carcassonne, et il a, il a fait découvrir son point de vente. Il a fait des ventes, et euh, le gars, il a quand même, allez, euh, presque 9000 abonnés sur sa page. Il a un, un groupe Facebook Robin et les robinettes, mais c'est vraiment l'ovni. Mais c'est pour montrer l'exemple. On n'a pas besoin d'être une grosse entreprise. Chacun, à son niveau, peut se lancer avec un live de ce genre. C'est exceptionnel. Merci Céline. Camille, je vous pose la même question. A votre avis, quelle est la tendance qui est déjà là Alors j'avais envie de parler des, des digital goods. Euh, les, les petits formats euh, qu'on qu retrouve euh, notamment sur Instagram et sur les différents réseaux sociaux, du type euh, stickers avec les, les gifs. Euh, les, les gifs sont aujourd'hui utilisés par un grand nombre d'utilisateurs, forcément sur les, sur les réseaux. Et les marques lancent leurs euh, leur propres gifs. Euh, par exemple, euh, Starbucks. Euh, Sephora, euh, qui, euh, qui qui utilise ce, ce, ce levier-là. Euh, donc il y a tout un tas de, de, de formats euh, déjà très, euh, très utilisés, je pense aux, aux mèmes, euh, qu'on qu trouve aussi un peu, un peu partout euh, euh, sur, sur les réseaux, sur Instagram notamment. Euh, donc selon moi, on, on a déjà euh, un certain niveau de, de maturité euh, de, de, de ce côté-là. Oui, tout à fait, d'autant plus qu'on voit maintenant même des mêmes sur LinkedIn. Il commence à y avoir la, la grande tendance des mêmes LinkedIn alors que jusque-là, ce réseau était un petit peu plus sérieux que les autres. Mais je crois que ce n'est pas la seule tendance dont vous aviez envie de parler ce matin. Non, il y a d'autres euh, tendances assez, euh, assez, assez émergentes. Euh, selon moi, il y a un secteur qui revient très souvent, euh, c'est la food. Il y a beaucoup de, 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 de plus en plus d'influenceurs food et de comptes autour de, de la food qui se, qui se créent sur Instagram. Euh, alors, il y a différents types de, de, de profils, euh, allant de, de, des chefs euh, aux, aux critiques euh, jusqu'à euh, des, des foodies, euh, des, des passionnés qui, euh, qui cuisinent chez, chez eux et qui euh, se prennent, prennent leur, leur plat en photo euh, et, et diffusent ça sur, sur leur compte Instagram. Alors, ce sont des. Ce ne sont pas forcément des, des gros influenceurs, des top influenceurs. On parle de nano, euh, des gens qui, euh, pendant la période du, euh, du, du Covid et, et, et des confinements, se sont euh, euh, intéressés aux au, au réseaux, ont eu envie, en tout cas, de partager ça auprès d'une de, de, euh, de, communauté, de se créer une communauté sur, sur Instagram. Donc, pour moi, le, le, la food est déjà bien, bien représentée euh, sur les réseaux. Et je crois d'ailleurs, Dominique, que ça va faire le lien ces fameux chefs ou nano-influenceurs qu'on voit apparaître autour de la food, avec la tendance que vous avez choisie. Oui. Alors, moi, je suis intéressé. Euh, enfin, j'ai considéré que dans le livre, ce qui était déjà en place, c'est celle qui porte sur les, les créateurs, nouvelles coqueluches du web. Euh, alors, pour une part, on peut considérer que c'est quelque chose qui effectivement est assez Tendance, disons, plus, plus déjà installée. Hein. Alors, l'auteur parle de passion economy et d'un autre, autre côté, de contributory, uh, participatory economy. C'est effectivement, on voit bien qu'il y a le côté individuel, mais il y a aussi le côté collectif, là, le partage euh, et cette dimension, ce qu'on a appelé à un moment d'économie contributive. Mais dans ce cas-là, on voit bien que c'est quand même quelque chose qui se centre sur des personnes, sur des individus. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu une tendance plus longue, déjà plus euh, bien installée. Hein. On a à un moment, on, a, on parlait d'ailleurs de me, de médias. Donc on voit qu'il y a tous ces publics, qui, euh, ces, ces créateurs qui prennent une position et qui deviennent, qui jouent sur leur réputation. Mais il y a deux éléments qui changent effectivement désormais. C'est d'une part euh, la, la mise à disposition d'outils de créativité euh, technique euh, beaucoup plus nombreux. Alors Céline en parle souvent d'ailleurs euh, sur, son, sur son compte, effectivement où elle raconte comment on peut faire tellement de choses avec Instagram. Donc là il y a cet élément-là. Et puis il y a aussi la, la monétisation. Qui est de plus en plus facile. Donc, c'est quelque chose, ça, c'est deux tendances qui sont un peu nouvelles, j'allais dire. Les créateurs, ça a un petit peu toujours existé, mais à ce point-là, et avec cette monétisation, c'est quand même quelque chose d'un peu nouveau, sans doute. On pense à OnlyFans qui sont qui évoqués aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de, de modèles économiques nouveaux qui permettent de valoriser ces créateurs. Vous le voyez, Camille, avec les, les influenceurs que vous côtoyez, cette nouvelle monétisation des créateurs oui, de plus en plus euh, les, les, les créateurs de contenu euh, cherchent à, à se lancent par passion et cherchent à monétiser leur, leur activité euh, quelques mois ou années après le, le lancement effectivement c'est un, un phénomène assez, euh, assez marquant euh, concernant l'influence euh, j'ai envie de dire qu'elle évolue quand même beaucoup euh, j'ai co-écrit co un bouquin sur, sur le sujet et depuis en, en deux ans euh, le, 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 le panorama, euh, l'écosystème de, de, de l'influence a quand même euh, évolué, que ce soit en termes de plateformes. Il, il y a deux ans, on parlait très peu de TikToker, on parlait très peu de, de, de euh, Twitch. Euh, il y a vraiment des, des nouvelles plateformes qui émergent et des, des créateurs de contenu qui réussissent à développer une activité euh, sur, sur ces sur ces plateformes. Et donc les outils, Céline, vous, c'est vrai, vous avez énormément de tutoriels, j'arrive pas toujours à tout faire, en particulier sur Instagram, mais effectivement, il y a de plus en plus d'outils maintenant pour accompagner tous ces créateurs. Oui, tout à fait. Et alors, euh, c'est rigolo quand on parle de créateurs, parce que je vois même au niveau des plateformes, les éléments de langage changent. Euh, avant, effectivement, on parlait communément de d'influenceurs, et maintenant, on est vraiment dans la création de contenu. Et j'irai même plus loin, tu vois, euh, dimanche, j'étais à, à l'événement euh, éphémère du Grand Palais, et il y avait TikTok qui était représenté. Et j'ai fait l'interview d'une personne de chez TikTok, et en fait, dans leurs éléments de langage, ils ont changé également, puisque quand j'ai parlé de réseau social, ils m'ont dit euh, "Non, non, non, on n'est pas un réseau social, on est une plateforme de créateurs, de contenu et de créativité." Donc, même dans les réseaux sociaux, parce que pour moi, clairement, TikTok c'est un réseau social, et ben dans leurs éléments de langage, en fait, ça change également, tu vois Effectivement, ça évolue, ça évolue beaucoup, et donc il y a certainement encore des tendances qui n'ont pas complètement Émergé, mais auquel euh, vous croyez. Euh, et donc j'ai envie de commencer par vous, Camille, à quelle tendance du livre, qui n'a pas encore complètement émergé, vous croyez le plus Je crois beaucoup à l'audio, au format audio qui est euh, déjà. Euh, présent sur, sur les réseaux les, 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 les entreprises euh, commencent à, à, à s'y intéresser alors c'est pas nouveau euh, on parlait déjà depuis quelques années de, de podcasts. Euh, les podcasts reviennent à, à, la, à la mode et, et le format euh, est particulièrement apprécié parce qu'il a des caractéristiques euh, intéressantes, il permet le, le multitasking notamment euh, donc l'audio j'y crois, crois beaucoup d'ailleurs je ne suis, suis pas le, le seul hein. les, les, les principales plateformes euh, lance des fonctionnalités dédiées à, à, à l'audio Spacey sur Twitter notamment, Facebook qui euh, devrait lancer aussi ses ce, fonctionnalités audio euh, prochainement euh, donc euh, l'audio est vraiment, vraiment intéressant ouais. Effectivement on a même eu Green Room de Spotify qui a été euh, sorti donc suite à leur achat de Locker Room euh, qui est sorti également cette semaine. Et pour vous Dominique la tendance à laquelle vous croyez le plus pour les mois qui viennent alors, je voudrais d'abord prolonger ce qu'a dit Camille à propos de l'audio, parce que c'est dans le livre il y a une citation d'un auteur qui s'appelle Sarah Tavel, qui parle justement de euh, trois, qui prend trois métaphores en disant effectivement qu'il y a à la fois la pierre, le sable et l'eau. Euh, et pour moi, c'est exactement ça, c'est intéressant parce que l'eau, c'est plutôt l'univers dans lequel on baigne. Et c'est effectivement, c'est l'audio, il tire de ce côté-là. Il tire de ce que je côté de ce que j'appelle un régime d'attention, c'est-à-dire une façon de capter l'attention dans la durée et dans une forme enveloppante. Et de fait, c'est l'immersion, d'une certaine façon. Donc, l'eau, cette image-là est assez parlante de ce point de vue. Et puis, elle parle aussi du sable. Et le sable, c'est plus les choses qui sont friables, qui, qui passent, qui s'en vont, etc. C'est cette réactivité. C'est ce que j'appelle, moi, quand un régime d'attention, j'appelle l'alerte. Et donc, on voit bien qu'il y a beaucoup de, de plateformes qui sont basées là-dessus c'est-à-dire faire réagir, euh, retweeter, etc. très, très rapidement. Et puis, l'autre qui est la pierre, chez elle, c'est effectivement le côté euh, projection. C'est-à-dire que j'appelle moi projection en termes de régime d'attention. C'est-à-dire on se focalise sur quelque chose, c'est stable dans la durée, etc. Et donc on a plusieurs régimes d'attention. J'en rajoute un quatrième moi qui est la fidélisation parce qu'on l'oublie dans les réseaux sociaux. On a l'impression que ça compte pas. Ben oui, prendre des habitudes, pourtant, c'est une stratégie marketing vieille comme le monde, j'allais dire, et elle continue à exister. Ce n'est pas seulement de faire réagir tout le monde tout le temps. Et donc cet équilibre des régimes d'attention, c'est un peu l'objet de, de mon livre, effectivement, euh, euh, Comment sortir des réseaux sociaux, euh, et qui rejoint à la tendance que je voudrais mettre en valeur, qui est celle, effectivement, de la culture melting pot. Euh, et dans le sens où on est capable, justement, d'agréger tout un tas de composants. Et de fonctionnalité, d'ailleurs, quelquefois, avec une forme d'imitation. D'ailleurs, on voit bien que les plateformes s'imitent les unes les autres, euh, les, les stories et tout ça, tout, tout le monde les a empruntées, euh, etc. Euh, mais moi, le sens, enfin, la, la tendance que je vois, y compris dans ce melting pot-là, elle est très quand même orientée vers de plus en plus de formats courts. Et donc, cette tendance au format court. Je pense que pour l'inbound marketing, c'est quelque chose qui mériterait une discussion, justement, parce que cette tendance-là, elle est du côté de l'alerte, c'est-à-dire de celle qui sollicite en permanence la réactivité, l'immédiat, etc. Alors que dans l'Inbound Marketing, tel que je l'avais compris, il y avait aussi une forme de cap une capacité à attirer l'attention sur des contenus de qualité, durables, etc., et qui permettent justement de faire varier les formats d'attention. Donc là, il y a un véritable enjeu, à mon avis, un, un enjeu qui consisterait un peu à apaiser aussi ces échanges là, euh, en sortant un peu de ce que le livre appelle la snippet culture. Donc comment est-ce qu'on est capable d'équilibrer euh, un peu tout cela euh, Et ça il y a dans, le, dans les exemples qui sont donnés, il y a par exemple une boîte qui s'appelle Subtext qui fait un certain nombre de choses où, où on évite justement de renvoyer des SMS comme ça en vrac mais on, on garde au contraire la capacité à créer un lien dans la durée, à créer des habitudes, à créer une relation durable et, avec le client et ça, ça nous sort un petit peu de ces logiques quelquefois de harcèlement dont on voit bien le, le, les effets contre-productifs quoi. Céline, je crois que ça vous fait vraiment réagir, la culture melting pot. Oui, c'est vraiment une tendance que pour le coup, auquel je crois vraiment beaucoup. Alors, euh, on, on, on s'est retrouvé avec Dominique, on en a déjà eu l'occasion d'en parler. Je ne pense pas que les contenus longs, par exemple, soient morts. Je suis convaincue qu'il y, y, y a un contenu pour chaque personne. Mais je pense que les, euh, les stories ou le phénomène, par exemple, des stories, le format court, permet vraiment d'attirer finalement une audience qui peut-être, au final, n'était peut-être pas captif sur un contenu long, mais qui, grâce aux stories, par exemple, hein, puisqu'on va parler des stories de, dans ce cas, c'est de pouvoir les attirer avec ce... ce, ce contenu-là et les médias le font très très bien d'ailleurs puisque par exemple Le Monde euh, tu vois je regardais ce matin sur TikTok ils expliquaient comment justement était fait en vrai un iceberg, c'est con mais j'ai regardais ça ce matin tu vois. C'est vrai que les journaux ont été très très forts là-dessus, il y a The Guardian aussi qui a été extrêmement ouais, il a fort, enfin, il y a beaucoup de journaux en particulier anglo-saxons mais les français commencent à s'y mettre. Oui. Et puis, ce qu'on voit euh, par rapport à ça, c'est qu'on va au-delà juste de la simple story qu'on pourrait imaginer où on fait son selfie. C'est quand même hyper, hyper éducatif, informatif. Et on, on va toucher par exemple au micro-learning pour faire un clin d'œil à, à nos amis de chez YouMonkeys, où je pense par exemple à des, euh, des, des, des contenus comme ceux de Sarah Soké, qui a développé une application qui permet, par exemple, tous les jours de recevoir un texte euh, et qui donne goût à la littérature, de redécouvrir, pardon, redécouvrir les, les extraits de littérature classique. Et notamment, elle a fait Un texte, une femme, Un texte, un jour. Et typiquement, tu reçois ça sur ton smartphone en format de et tu peux redécouvrir des classiques de la littérature. C'est assez exceptionnel, je trouve. Et donc ça, c'est ce genre de format qui correspond à nos usages dits mobiles et qui va peut-être permettre de toucher une audience qui, en temps normal, ne serait peut-être pas intéressée à ces contenus-là. Mais c'est vrai qu'autour de la littérature, d'ailleurs, on a vu aussi la tendance américaine, je crois qu'elle n'est pas encore complètement arrivée en France, de ces jeunes filles qui lisent. Et qui ensuite vont faire un TikTok donc plutôt court sur ce qu'elles ont ressenti à la fin du livre. Et apparemment, les libraires ont été dévalisés de certains grands classiques grâce à, à certaines réactions. Si je peux me permettre, c'est un peu l'effet bande-annonce. En temps normal, quand on regarde une bande-annonce d'un film, ça ne nous empêche pas d'aller voir le film. Bien sûr. Et bien, typiquement, je trouve que ces contenus-là, c'est un peu la bande-annonce du prochain livre, du prochain film ou du prochain article. Et donc, Dominique, c'est. Avec cette idée-là, du format court pour attirer vers le format long, vous avez rendu disponible votre livre en vidéo courte sur YouTube Oui, alors en réalité, c'était dans le cadre d'un diplôme que je pilote à Sciences Po. Et l'idée était justement de capter l'attention, exactement comme dit Céline, en termes de bande-annonce, c'est-à-dire de, de donner le support qui est la, la façon, euh, dire, du, le support numérique principal qui est le téléphone. Le, le smartphone, de l'utiliser pour aussi capter cette attention dans des moments creux qui peuvent être, par exemple, le métro ou autre. Quoi. Et donc, l'idée, c'est du coup, c'était des formats courts, obligatoirement. Et des formats courts. Oh, merci. Euh, des formats courts qui doivent euh, à la fois résumer le contenu, d'une certaine façon, être vraiment très punchy pour essayer de capter l'attention. Donc, il y avait un gros travail de montage pour ça. Mais on sait bien, quand on fait ça, euh, mes collègues, quand ils nous disaient, tu vas pas résumer un cours de deux heures en deux minutes trente, quand même, c'est n'importe quoi. Bon, bah oui, évidemment, on perd quelque chose. Bon, mais... D'une part, ça nous oblige, quand on est prof, à rédiger et à sélectionner ce qu'on veut dire, le principal point du message. Et ça, c'est un effort beaucoup plus fort, quelquefois, beaucoup plus important que d'écrire de, de euh, 200 pages. <laughs> enfin, j'exagère. Mais bon. Mais en attendant, l'intérêt, c'était à partir de là de pouvoir euh, compenser cela, parce qu'au début, c'était une application hein, qui était disponible sur les deux stores. Et on pouvait effectivement avoir des challenges. Avec les équipes qui s'organisaient autour de défis qui, étaient, qui obligeaient à travailler collaborativement et à travailler, du coup, dans la durée. Donc, si on gagne du côté du format court, il faut aussi se donner les moyens d'équilibrer pour avoir quand même du format long aussi. Et c'est cela qui est important dans l'offre, je trouve, c'est de, de trouver ces équilibres-là et de ne pas se laisser enfermer dans ce seul régime de l'alerte qui ferait qu'on n'aurait plus que des bandes annonces qui passent à toute vitesse. On voit bien qu'il faut aussi se donner le temps. De, euh, de faire l'offre dans sa euh, diversité du point de vue des, de l'attention. Oui, et puis vous la compariez au sable qui peut être un peu abrasif aussi, donc on va essayer d'avoir plus de, de diversité de format. Alors, donc, les tendances qui sont déjà là, les tendances qui vont très certainement prendre le pas sur les, les 6 à 12 prochains mois, est-ce qu'il y a des tendances auxquelles vous croyez moins, Céline euh, perso, la tendance dans laquelle je crois le moins, c'est euh, Montagne in the New Black, désolé pour mon anglais, euh, parce que clairement, c'est le phénomène de mode. Alors, pas que je crois euh, à, à, à l'impact de, de la Covid sur notre morale, sur le bien-être, tout ça, sur les comptes qui pourraient émerger de ça. Par contre, euh, de l'afficher sur des fringues, euh, excuse-moi, mais... Clairement, la mode c'est éphémère. Ça va nous rester comme une fringue qu'on aura dans notre garde-robe qu'on va ressortir avec une nostalgie ou celui dans lequel on rentrera peut-être plus plus tard. Mais ça, ça s'arrête là pour moi. C'est vraiment le phénomène pour le coup d'Instagram. Oui, qui sera trop grand parce qu'on aura fini le confinement aussi. Ça peut marcher dans les deux sens. C'est pas possible. Donc pour le coup, cette tendance-là, pour moi, voilà, elle sera éphémère comme la mode. Et, et par contre, aller plus loin dans ces messages inspirationnels, beaucoup de comptes sur Instagram sont vraiment Vont dans ce sens-là, avec des vrais messages ou qui te font rire, justement, qui te divertissent, ou justement qui vont essayer de t'inspirer et t'élever un peu plus. Mais au niveau fashion, franchement, voilà c'est mort. Donc, émergence de compte, mais pas sur le côté mode. Camille, même question Alors, j'ai envie de parler de B2B et de réseaux sociaux professionnels. Donc, la tendance défragmentation de LinkedIn, j'y crois moyennement. Dans le sens où, oui, on a des acteurs qui euh, peuvent être utilisés par euh, des, les professionnels euh, sur, sur des formats euh, euh, spécifiques. Je pense à l'audio, avec euh, une application euh, qui a été lancée récemment qui s'appelle Yak, qui permet de, de faire des, des réunions en, en, au format audio, donc uniquement avec du, du vocal. Euh, C'est intéressant, mais euh, je, je pense que LinkedIn est, est tellement bien implanté. Euh, et euh, que, que voilà, les, ces acteurs-là ne pourront pas euh, euh, détrôner, euh, détrôner LinkedIn. Euh, voilà. Même avec les recrutements sur TikTok, par exemple, qu'on a vu récemment Oui, ça peut marcher, effectivement. Euh, ça, ça peut marcher, mais on ne fait pas que du recrutement sur, sur LinkedIn il y a vraiment une plateforme globale. Euh, si on regarde un petit peu toutes les entreprises qui utilisent LinkedIn, on est proche des, bon, en B2B, on est proche des 100%. Euh, on n'est pas loin aussi des 60% qui euh, euh, décident d'investir de, 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 plus, euh, de plus en plus. Donc euh, c'est euh, assez, euh, assez flagrant les, euh, de ce côté-là. Donc je pense que LinkedIn est vraiment euh, numéro un et pas près, de, pas près de perdre sa place euh, du côté des professionnels. Dominique, vous avez le même avis sur LinkedIn Oui, je pense que le, le côté agrégateur, enfin le type d'ensemble de ressources qui sont fournies autour de LinkedIn, crée de fait une position assez incontournable, même si les clones eux, pourront effectivement fragmenter, utiliser des éléments, euh, des briques de tout cela. Euh, cela dit, il y a quand même un, une responsabilité de la plateforme maintenant, je pense, dans, pour que ça dure. C'est d'une part le fait qu'il faudra éviter de pousser trop de publicité, euh, parce que sinon ils vont se dénaturer. Et d'autre part, il va falloir effectivement une modération assez stricte. Et on voit quand même qu'il y a d'un certain moment sur LinkedIn, il y a des dérives de ce point de vue-là. Donc il est très important qu'ils assument cette responsabilité d'un réseau social professionnel qui ne ressemble pas à Facebook, et ça notamment, et à d'autres. Mais là, c'est quand même quelque chose de très important, je pense. Et, et avec en plus à l'inverse, hein, on a vu aussi sur LinkedIn de la modération de publicité euh, qui était pourtant commentée de façon tout à fait professionnelle, mais où c'était des hommes dénudés pour une marque de rouleau de papier toilette euh, bien placée sur le corps de l'homme en question. Et tous les postes qui parlaient de cette publicité ont aussi été effacés. Donc la modération avec modération aussi et avec discernement. Est-ce qu'il y a une autre tendance dont vous vouliez nous parler Oui, alors celle à laquelle je crois moins, c'est celle qui porte, qui, qui porte sur l'essor de la virtual economy. Euh, alors c'est un peu paradoxal parce qu'en réalité j'ai été beaucoup investi moi, dans, le, dans tous ces mondes virtuels, Second Life, etc., les métavers, etc. Donc j'ai travaillé, ça m'a passionné, je considère que c'est vraiment passionnant. Dans le, le, le document, le, le, le livre, on parle effectivement de concerts dans Fortnite. On parle même de réunions qui migrent, euh, sur Animal Crossing ou sur euh, Red Dead Redemption, des choses comme ça. Bon, euh, je pense que sur le le côté événement, c'est pas impossible, euh, mais vous voyez que c'est quand même pas d'une activité sociale extraordinaire et c'est vraiment assez unique. Et puis d'autre part, les réunions, là, j'y crois pas, j crois absolument pas. Euh, de fait, c'est quand même, je, je ne nie pas du tout la puissance de ces univers-là et leur intérêt euh, autrement, du point de vue entertainment et du point de vue de l'activité sociale. Mais euh, le, la dimension qui permettrait de la faire passer dans un, comme un cadre d'activité professionnels par exemple euh, ou d'autres types d'activités assez larges, à mon avis quand même, ce sont quand même des audiences assez limitées et qui n'ont assez peu de chances de devenir un, un, dire, une tendance de fond parce qu'il y a un coût à l'entrée déjà qui est assez important dans les manipulations euh, qu'on peut faire. Il y a surtout un aspect, euh, disons à mon avis, un peu spéculatif autour de ça. Quoi. On, se, on est quand même dans une logique où on essaye de pousser une innovation comme celle-là, euh, qui du coup va entraîner des effets ou les avatars, etc. Ça va devenir un peu ce, cette extension du fake, un petit peu qu'on commence à voir. Ça, c'est mmh. certain. Mais à mon avis, je ne pense pas que c'est quelque chose qui permette de stabiliser réellement euh, une tendance lourde, euh, y compris sur le plan des possibilités marketing. Quoi. Oui, c'est vrai qu'on va aussi aujourd'hui arriver dans les outils de vidéoconférence, même des façons différentes de nous positionner pour nous donner l'impression de plonger dans le metaverse, mais sans aller jusqu'au metaverse. Et donc, on n'aura pas parlé de la tendance, l'expressionnisme digital. Euh, J'aurais pensé que vous nous en auriez parlé, Dominique. Mais oui, un, je pense que c'est quand même aussi quelque chose de très intéressant. Peut-être. Je ne l'aurais peut-être pas appelé expressionnisme digital parce que ça, c'est effectivement une tendance qui est déjà assez lourde depuis une vingtaine d'années. Mais il y a ce côté, euh, comment dire, euh, d'un courant euh, qui revient à la question de l'immersion un petit peu. Hein. C'est effectivement l'idée que, euh, à travers les jeux vidéo, euh, il y a une nouvelle esthétique qui s'est installée et je pense que les marques en ont conscience mais jusqu'où peuvent-elles le mettre en œuvre, c'est pas évident, mais il y a une nouvelle esthétique qui pour moi est à peu près l'équivalent d'une rupture qu'on a connue à la Renaissance avec l'introduction de la perspective, c'est vous dire un petit peu. Je pense que l'idée d'être à l'intérieur, c'est exactement l'opposé du point de vue de la perspective où justement on doit être à l'extérieur et le tableau est organisé en projection justement par rapport à la position de l'observateur. Et là, il se passe quelque chose qui se passe aussi dans l'art contemporain d'ailleurs. Donc cette dynamique de l'immersion, c'est quelque chose qui est vraiment une rupture très très importante et la puissance des jeux vidéo pour faire diffuser, circuler ce code culturel, j'allais dire, où on a à la fois la durée dans l'attention dans la, la et l'intensité. Parce qu'il y a des choses très fortes qui peuvent, être, qui peuvent exister sur des heures et des heures, quelquefois, dans un jeu vidéo. Euh, je pense que là, il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui mériterait d'être pris en compte. Et ça, c'est vraiment une tendance esthétique qui se diffuse déjà un petit peu, peut-être que dans les mondes virtuels, c'est ça qu'on essaye de trouver. Mais en réalité, ça aura sans doute d'autres formes plus intéressantes à venir. Merci beaucoup. Alors, on est à Inbound Marketing France et on n'a pas encore parlé d'Inbound Marketing. Donc, euh, moi, ce que j'ai envie de, de vous poser comme question, et je vais commencer par vous pour Camille, c'est quels éléments concrets, puisqu'on a décidé d'être très concrets à Inbound Marketing France, mais quels éléments concrets tirés de ces tendances vous pouvez euh, recommander à nos participants euh, pour appliquer dans l'inbound marketing J'ai envie de, de parler d'un format qui est l'audio, qui est vraiment au cœur de, de, de l'inbound selon moi. Il permet de. De, de, de capter et de, et de, de fidéliser une, une audience. Euh, donc, alors bien sûr, il y a toute une stratégie à mettre en place quand, on, quand une entreprise décide d'aller sur, sur, sur l'audio. Elle peut par exemple s'associer à un podcasteur de renom et, et ensuite mettre en place une stratégie pour diffuser ce podcast avec des extraits, de courts extraits sur les réseaux sociaux. Capitaliser sur le contenu à forte valeur ajoutée qui a été créé pour diffuser sur, sur les réseaux. Et je rappelle à nos participants que nous avons une masterclass sur l'utilisation aussi des podcasts dans une stratégie de branding. Pour vous, Céline, quel conseil alors déjà, moi, ce, que, ce que je vois, alors je ne sais pas si c'est un, un vrai conseil, mais c'est dans toutes les tendances qui ont été évoquées par, par Marie, il y, en a, il y a autant d'opportunités pour les marques, pour les entreprises de s'accaparer ces tendances. Et après, de savoir comment les intégrer dans leur stratégie. Et, et évidemment, de voir aussi quels sont les objectifs pour pouvoir répondre à, à ça. Quoi. Après, au niveau du contenu, c'est sûr que je rejoins Camille sur le phénomène de l'audio, mais je ne vais pas délaisser la vidéo tout de même, qui va quand même permettre d'avoir un format supplémentaire pour pouvoir créer vraiment de l'émotion avec son audience. Merci Céline. Effectivement, on aurait du mal à imaginer plus de vidéos de 10 Céline. Ça, ça nous manquerait. Et alors Dominique, pour vous, comment on l'applique Il me semble que le, on en a un peu discuté, mais je pense que le, le principe... Moi, je suis très attentif au rythme et au type de façon dont on capte l'attention. Eh bien, je pense que les marques et l'ensemble des opérateurs, des intervenants dans le monde du marketing, doivent être conscients que la pression vers une réactivité constante, des formats courts, etc., il faut faire attention à ne pas aller trop loin dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il faut en permanence combiner. Euh, et avoir une offre qui permette justement d'avoir des rythmes différents, et du coup à la fois quelquefois d'attirer des audiences différentes aussi, et en même temps de pouvoir euh, capitaliser sur l'attractivité qu'on a obtenue avec un format court pour installer dans la durée une relation. Et ça c'est quelque chose qui, est, si on, ne, on suit trop facilement la tendance et la pression des, des, notamment des plateformes hein, en général, qui poussent à cette réactivité. Euh, eh bien, on aura une tendance à se niveler un peu vers le bas. Or, je pense que l'inbound marketing a, a mis en avant la nécessité de se démarquer de tout cela et de proposer des contenus riches, de proposer des liens durables et de proposer justement une autre stratégie de captation de l'attention qui n'est pas opposée à l'autre, mais qui doit être équilibrée. Et ça, c'est une forme de tuning, de fine tuning de tout cet équilibre-là. Effectivement, ça va nous... Nourrir sur des réflexions, des stratégies pour bien équilibrer l'audio, la vidéo, le format court, le format long, l'écrit évidemment, euh, comme l band a, a commencé. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois. On remercie, on fait un petit coucou à Marie Dolé qui nous a autorisé d'utiliser son livre comme support pour, pour cette table ronde. Et merci à vous et à bientôt. Au revoir.